bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se rend avec Tom donc à la bourde de Gargenville. Donc Tom que vous connaissez en tant que voix off en fait des vidéos, hein, fameux technicien. Donc il mène aussi sur les bourses et qui fait notamment les bourses d'Arras. C'est bien pratique. Donc là bah, on va parler un peu de Tom et vous faire connaître un peu plus. Donc déjà bah, Tom, qu'est-ce que tu fais exactement dans la vie et tes passions? Passion, je suis un peu passionné d'entomologie et d'herpétologie en général, et je suis plutôt spécialisé sur les espèces asiatiques, étant donné que je suis d'origine de Thaïlande, donc voilà, surtout les varans. Ouais, les gros varans, ouais. Notamment en photo, quand tu étais là-bas en Thaïlande. Ouais, voilà, en gros Salvatore. Voilà, pas du petit truc. Chez toi, t'as quel type de reptile? Alors, chez moi, j'ai un Exanthematicus, ouais. J'ai un Gecko, et j'ai deux Achatina et des Archachatina. Voilà, des gros escargots. Et ouais, des bons gros bavons. Voilà. Et donc, bah oui, donc, je crois pas que tout ça, j'avais acheté à Arras notamment, qui est une toute petite. Et, c'est ça. Qui a bien grandi. Donc tu as un site internet pour tout montrer sur le Gecko. Oui, donc j'ai un site internet pour tous ceux qui veulent se renseigner sur le Gecko. C'est gecko-france.emonsite.com. Et vous aurez vraiment toutes les infos, tout ce qui concerne les rumeurs, que ce soit les histoires par rapport au pays où vivent les Gecko. La maintenance, ses caractéristiques et surtout son comportement naturel sauvage. Il partit peut-être aussi d'approche en captivité, parce que c'est pas comme le gécolo parle. Oui, surtout, surtout de la prévention par rapport à la morsure, parce que bon, le gecko est le, ouais, c'est le gecko qui a la plus puissante des morsures. Donc il faut faire un peu attention à ça. C'est pas un gecko manipulable, mais bon, tout ça vous le saurez en allant sur mon site. Et c'est pas manipulable, mais bon, il y a moyen d'avoir une approche de confiance entre le soigneur et l'animal, non? C'est difficile, mais c'est faisable. C'est faisable, ouais, il faut du temps, puis prendre peut-être l'animal. Ouais, beaucoup de temps, ouais. Et ouais, vraiment l'avoir plus. Ça peut prendre énormément de temps. C'est un caractère bien spécifique, bien trempé, quoi. C'est ça. Pas du viridis, mais non, c'est pas loin. C'est un peu ça, ouais. C'est le gecko des, ouais, c'est le viridis des geckos. Ouais, c'est une bonne comparaison, tiens. Ouais. C'est une bonne comparaison. Donc là, on va à la bourse de Gargenville. Donc sur cette bourse, toi, t'en attends quoi exactement? Tu cherches des espèces en particulier ou des... Du tout. C'est une première pour moi à Gargenville. C'est une première pour moi aussi. Surtout pour filer un coup de main à mon ami Chris. Ouais, j'ai demandé de temps en temps. Rencontrer des gens, quoi. Voilà. Ouais, faire des contacts. J'attends juste de voir un peu, voir ce que ça va donner. Bah, je trouve ça, quoi. C'est pas, voilà. Pas plus que ça. Ouais. Alors, moi, sur cette bourse, je note quand même beaucoup parce que c'est organisé par l'œil du crocodile, donc d'éminer son équipe. Hein. Donc, ils organisaient ça avant à Saint-Aquilin, ils l'organiseront peut-être toujours là-bas, c'est pas encore sûr, on parlait de ça hier. Donc on attend de voir cette équipe passer un cap en fait, et dans une salle plus grande, avec sans doute plus de monde parce que plus proche de la région parisienne, enfin ils sont en Île-de-France, donc plus proche d'une gare SNCF qui ramène sur Paris et tout, gare Saint-Lazare principalement, donc ça peut ramener plus de monde comparé à Saint-Aquilin, donc après faut voir ce que ça va donner. Les amateurs maintenant sont autorisés sur celle-là alors qu'à Saint-Aquilin non, c'était cap pas obligatoire. Ça aussi ça peut ramener du monde et faire connaître d'autres personnes qui ne connaissaient pas forcément, des petits éleveurs qui se lancent, et ça peut être sympa. Donc après avoir aussi s'ils auront les reins solides, on peut bien tenir ça. En parlant un petit peu hier, je pense que ça devrait passer crème. Mais on sait jamais puisque la fréquentation des bourses est quand même en baisse depuis quelques temps, à part les deux événements comme Béthune ou Arras où c'est un peu moins baissé, mais il y a d'autres courses où c'est bien ramassé. Donc à voir ce que ça peut donner. De toute façon, on fera bien faire un petit bilan de tout ça en rentrant, hein, sur le retour. Ouais. Parce que bon, il y aura certainement quelque chose à dire dessus sur l'antenne.
préférez pas. Non, on n'en voit pas, souvent personne n'en voit à cette période. Ouais. Je peux vous dire tout de suite, peut-être que c'est pour ça un léger coup. Ouais. Moi, à hauteur de 78, je ne sais pas qu'on est directement en dedans. Après, on pourrait y aller, donc 78. Ouais, mais c'est pas évident. Ah si, des petits lignes, gazérant. Oh, mais c'était pour éviter l'animalerie encore. Non, mais là, vous pouvez. Ah, là, oui. Gazérant, reptile, c'est un éléphant. Ouais. Oui, puis, ça va, vous pouvez. Bon, en début d'année. Ouais, on va y arriver. Non, mais par exemple, la distance, la DDPP, elle est diminuée de DDPP, ça va. Thank you.
Je crois que c'était pour me donner une facture ou une filet, je sais pas moi. J'en ai des tickets à restaurant, je sais pas, un cadeau peut-être. J'en ai, mais c'est 2014, je crois qu'il passe plus les tickets à restaurant. Ah, ok, d'accord. Bon, bah tant pis, bon, mais déjà, si on peut faire Voilà, au niveau des yeux. Hein, voilà, au niveau des yeux, comme ça on est tranquille. C'est au niveau de la commissure de la mâchoire, donc ça a la largeur de la tête, beaucoup plus large. Et du moment que l'insecte n'est pas plus long que ça, sans problème. Il peut le manger. Doucement, regarde, j'ai peur de la tête. Moi, je suis la tête. Comment? Et il y a ça fait des comme les gigots un peu. Non, mais on l'embêterait pas, hein, mais. Je peux vous montrer, hein, si vous voulez. Celui-là, il est trop beau. Je voulais le voir de plus près. Non, on a déjà fait un peu de gros. Non. Mais ça, c'est un jeune. Ouais. Ouais, il devient beaucoup plus gros ou. Ouais, 70-80 cm. Ah oui, quand même, ouais. Mais c'est super sympa, ça. C'est la petite langue et tout. C'est super sympa. Je connaissais pas ça, tu vois. J'ai un peu stressé, là. Ouais, ouais, bah sûrement, ça doit... Ouais, c'est sûr. Hein. Ça va un peu les stresser. Hop là. Ce que je viens de faire, je l'ai pas vu. Ouais, parce qu'il aurait pu vous pincer direct. Que... Ouais. Je manipule les serpents depuis hier soir. Ah seulement, d'accord. J'en avais très très peur. Bien. Très 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 peur. Je suis un peu comme vous. D'accord. Et du coup, pour la bonne. Pour le plaisir de les maintenir et également une nourriture pour certains animaux. Pour les tout ce qui est varan, tilica, les cinq. Ils sont très friands d'escargots, donc on les donne cette taille-là, voire un tout petit peu plus gros. Ce qui est mignon, qu'on se rend compte que c'est pour donner à manger aux autres. On a trouvé des toutes petites souris, des puis des cochons d'Inde, des lapins là-bas, les gamins. Ah, oh, t'es mignon. Donc vous vous éclatez. C'est pas super. Ah, c'est du cactus, ça. Ouais. Et ça aussi. Peut-être là.
bah, de toute façon, ça serait beaucoup. Ouais. Si vous voulez les voir, c'est la nuit. D'accord. Ouais, c'est la nuit qui se déplace beaucoup. La journée, effectivement. Vous avez été dessous, si vous voulez les voir. Ah ouais, c'est après, le 60. Mais ils sont partis faire leur vie. Tu sais, chez les lézards, la plupart du temps, les papas et les mamans, ils sont en train de manger. Bon bah rebonsoir, hein. Donc là nous voici à la fin de la course donc de Saint-Aquilin, de Gargenville, pardon, organisée par les Crocos. Donc bah qu'en as-tu pensé Tom de cette course toi? Bah que c'était une course conviviale, sympa. En termes d'exposantes, beaucoup diversifiées ou pas assez? Pas assez. Trop de Géco peut-être, non, certains peut-être. Un petit peu trop de. Non, c'est même pas une question de trop, c'est juste qu'il n'y a vraiment pas assez de variations d'espèces diverses. C'était vraiment que dans le classique, c'est-à-dire on a du python, on a du gecko, on a de l'EM, des gecko à crête, rien de bien folichon quoi. Ouais, c'est, je pense que c'est limite la fin d'année. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est au niveau diversité, bon, j'ai fait quelques petits tours, on m'a manqué aussi. Après niveau monde, je trouve qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui sont venues. Ouais. C'est pour une première, c'est pas mal, c'est encourageant. Ouais. Après la salle était plus grande aussi que Saint-Aquilin, donc c'était un autre style. La présence des touquets était vraiment bénéfique aussi. Même si sur l'estrade, ils n'étaient pas vraiment au top de leur stand, mais les interventions sont utiles. Après, oui, c'est vrai que bah, nous on était placés à l'entrée pour les tortues, c'était pas terrible, avec un petit léger courant d'air, mais bon. On a réussi à pallier un petit peu. Et sinon, ouais, ça avait
l'air d'aller dans l'ensemble. Après, il faut dire que c'est une première à Gargenville qui va certainement refaire une, peut-être une deuxième si ça a bien marché. On le saura d'ici quelques jours. Ouais, à voir dans le temps. Quoi. Alors, les Libas, tiendraient certainement Saint-Aquilin, ils en parlent, ils ne sont pas encore vraiment sûrs de ça. Ils aimeraient le maintenir, mais après, ça dépendra des recettes. Après, au niveau des éleveurs, ceux qui étaient présents, c'est des éleveurs que tu connaissais ou quoi, t'avais déjà entendu parler ou c'était vraiment très connu? Non, globalement, je les connaissais tous ces compagnons. Enfin, des grands noms, on va dire, de la terre et même ouais. Au niveau amateur, c'est quand même des grands noms. Ouais. Ça m'a permis de revoir des amis comme Kevin, Jordan, Nat, Sylvain, Lucie, Thierry, Thierry Nelly. C'est marrant et sympa, quoi. Ça permet de revoir les amis, on va dire. C'était vraiment sympa. Et puis l'équipe des Congos, enfin, toujours aussi des bonheurs, aussi joueurs. Les David, toujours accueillants. Il manquait quand même la bonne raclette qui allait s'intégrer, mais si on répondait, c'est pas mis dans le but. Moi, sinon, c'était sympa, Doche. Ma première interview aussi, c'était vraiment sympa par Wesley. Donc, on va voir ça sur YouTube, hein, on va voir ce que ça donne. Remettre ça plus tard et faire cette autre opération italienne, ça peut être sympa aussi. Niveau conseil, c'est vrai qu'on n'a pas trop mal marché non plus, on a eu des creux, on a eu des personnes vraiment intéressées, c'est sympa, beaucoup de manipulation sur les tortues, notamment avec les gamins qui voulaient voir un petit peu. Quoi. D'habitude, je les fais pas trop manipuler, mais je faisais quand même un peu cette laisse manipuler. Quoi. Parce que je pense que si je laissais pas tôt, ils se prenaient un coup de griffe, les gamins ils se prenaient un coup. Parce que même moi, des fois, ils me l'enfoncent sous la peau, un coup de griffe sous la peau, ça fait bien mal. Donc après, ouais, j'ai préféré laisser manipuler plutôt Samy qui est vraiment tranquille, toute mimi, comme ça, il était plutôt cool, ça se passait bien. En tout cas, bah, merci de m'avoir aidé sur cette expo aussi, hein, Tom, parce que bon, j'aurais été un peu emmerdé. Bah, de rien. Parce qu'avec les bacs et tout, on s'est bien amusé quand même à ouais. Tout défaire, ouais. C'est sympatoche. De toute façon, on va se retrouver de toute façon pour Arras, ouais, où tu Arras. Filmeras aussi, hein, bah, comme à ton habitude. Hein. Ouais. Donc, t'attends quelque chose d'Arras, t'as des projets prévus ou... Non, pas de place à la maison. Ouais, c'est au pire, c'est peut-être du matos au coup de cœur ou de la bouffe. Ouais, voilà, toi, principalement de la bouffe, comme t'as. Ouais, du coup, moi non plus, c'est vrai que pas vraiment de projet non plus là-dessus. Les EM que j'ai eu en essence ne sont pas en vente là-bas, parce que c'est pas prévu dans mon compte d'inscription, donc je préfère pas déroger à la règle. Puis voilà, j'ai le temps aussi de les vendre, hein. Un est réservé, l'autre. Bah, de toute façon, on filmera Arras et puis bah, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. À bientôt. À la prochaine.